le propos est très simple. Il s'agit d'étudier, avec une approche sémiotique, les stéréotypes. Les stéréotypes qui concernent l'apparence du juif, l'apparence du noir, mais aussi l'apparence du paysan et de l'alien qui est finalement la figure contemporaine de notre alter ego. Alors c'est un propos qui peut sembler tout à fait banal parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur les stéréotypes dans les médias, dans la publicité, dans les séries, mais mon idée était de remonter un peu plus loin et de voir comment les chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre de Titien, de Dürer par exemple, de Giotto, nous avaient mis des horreurs dans la tête en fait. C'est vraiment une image inventée. Et l'idée n'est pas de restituer des formes iconologiques, j'allais dire, mais vraiment de voir une stratégie énonciative qui a permis de construire un juif et de construire un noir, qui sont différents l'un de l'autre, de construire un paysan et de construire cette figure de l'alien qui est celui de la peinture contemporaine. La proposition de départ, c'est celle de Claude Lévi-Strauss, qui explique que les sociétés dites civilisées ont besoin, pour se construire, d'introduire de la différence et de l'opposition. Et il explique que les différences ayant tendance à se résorber, finalement, on réintroduit de l'opposition. Donc il dit qu'il y a eu le servage, ensuite il y a eu l'esclavage, et à chaque fois on a besoin de repousser l'autre finalement. Donc ça c'est au niveau collectif, mais on pourrait voir la même chose au niveau individuel avec les propos de Kaufmann par exemple, qui explique qu'on se construit justement par opposition à l'autre, et dans le dénigrement de l'autre finalement, ou bien sûr avec les propos de Girard sur la crise victimaire et sur le bouc émissaire. Les images sont extrêmement puissantes. Elles sont plus puissantes que les discours verbaux parce qu'elles mettent une réalité sous les yeux, enfin, ce qui n'est bien sûr pas une réalité, mais elles ont construit une réalité et elles construisent un effet d'évidence. Il y a une espèce de raccourci cognitif qui fait que nous les acceptons comme étant la réalité. Donc elles sont plus puissantes que les discours verbaux. Je me suis approchée de ces quatre catégories, le juif et le noir, parce que ce sont des figures très commentées déjà, mais pour montrer la différence, la spécificité de chaque construction. Mais le paysan, on n'en parle jamais, de cette exclusion du paysan de la peinture jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors il faut faire exception, bien sûr, des peintures de Lenain, qui lui s'est approché des paysans. Sinon, les paysans n'existaient pas dans la peinture, ils sont dans un monde à part. Il n'y a pas cette comparaison qu'on fait entre le juif et nous, finalement, entre le noir et nous, finalement. Ils sont vraiment dans leur monde à part. Donc ça, c'était intéressant de les étudier. Mais il y a bien sûr d'autres catégories. Ce serait un enjeu beaucoup plus important, bien sûr, de voir le rapport à la femme, tout simplement, dans les peintures. Ou à d'autres catégories. Stoïkita, par exemple, étudiait le rapport aux gitans, aux musulmans. Comment sont-ils représentés? Avec un turban, etc. De façon très folklorique toujours. Celui que j'appelle l'alien, c'est avec une double référence. D'abord, c'est l'étranger, hein, qui n'est pas l'étranger territorial, mais l'étranger extrême. Et aussi, l'alien, c'est aussi rejoint l'étymologie d'aliéné. C'est un autre, l'autre extrême dans la folie, j'allais dire. Et c'est vrai, quand on regarde la peinture du XXe siècle, du XXIe siècle, la représentation de l'être humain est tout à fait particulière, tout à fait intéressante. Alors, cet alien peut être le personnage qui est construit par Giacometti, par exemple. Hein. C'est un être générique, et avec ces apports de Giacometti qui sont magnifiques, qui nous dit que chaque humain vaut exactement un autre. Alors, par quelle stratégie visuelle, par quelle mise en scène introduit-il cet effet de généralité? C'est très intéressant. Ce n'est pas un être humain, monsieur machin, madame machin, c'est vraiment, même si c'est le portrait d'Annette ou de Diego, c'est vraiment un être générique. Voilà, il cherche ce qui nous fait tous semblables finalement. Et aussi Hansen Kiefer, qui peut être une référence intéressante par rapport à cette alien, cet autre qui est nous, finalement. Mais il dit que si on tire les cheveux en arrière, on est tous pareils, finalement. Donc il y a ce très beau texte de Jean Genet, aussi, où il échange avec Giacometti. Il dit « Chaque être vaut exactement un autre ». Il dit « Je dis bien exactement ». Et ce sont par des stratégies d'image qu'on représente ou la généralité ou la singularité, bien sûr. Je prends quelques œuvres exemplaires et on voit que le principe de construction du juif consiste à le mettre en rivalité avec Jésus, hein, qui aura bien sûr une apparence juvénile, magnifique, solaire, etc. Ils sont tous les deux sur le même plan, au premier plan.
Donc il y a des critères de position, des critères de taille et des critères d'orientation du visage qui vont les mettre à égalité, un positif, un négatif au premier plan. Ils sont rivaux, mais ils sont égaux en fait. C'est le juif et l'autre que nous sommes finalement. Pour le noir, c'est totalement différent parce que le risque, c'est qu'il pourrait ressortir du tableau. On ne verrait que lui parce que, par sa différence chromatique, si on peut dire. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis en marge. On l'a mis dans la profondeur et en plus, il y a des exemples magnifiques au musée d'Orsay pour ça, on l'a mis dans l'obscurité finalement. Donc voilà, on va le dévaloriser de différentes façons. Finalement, il n'est plus qu'un faire-valoir pour une figure blanche qui est à côté de lui. Souvent pour une déesse blanche qui est à côté de lui, la servante noire va la mettre en valeur. Voilà, donc deux stratégies totalement différentes pour faire un autre qui est un équivalent négatif et pour faire un autre qui est supposé inférieur. La laideur qui dit tout un paquet de traits qui sont supposés être moraux. Il est laid, donc il est méchant, quoi. C'est exactement ça. Évidemment, représenter Jésus avec un joli nez, le teint clair, le front haut, c'est représenter la beauté, donc la bonté en même temps. Et en plus, on a des équivalents verbaux qui diraient la hauteur, par exemple. La hauteur, ça peut être aussi une propriété morale. La sémiotique, c'est une étude des méthodes de la signification. Donc là, c'est la sémiotique visuelle. Donc, elles se fondent sur des analyses d'images. Donc là, en l'occurrence, ce sont des peintures, mais ça peut être aussi, bien sûr, des publicités, des images scientifiques, des images, différentes images médiatiques. Mais mon idée était de faire le lien avec l'impact des images, l'influence des images sur nous. Ça, la sémiotique ne le fait pas. En revanche, c'est l'enjeu des études culturelles, c'est l'enjeu des visual studies. Voilà, donc j'essaie de faire le lien entre l'analyse d'images, pour ne pas les perdre de vue, et cet impact des images, ce qu'elles font sur nous finalement. Comment elles influencent nos manières de voir ?